Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. À l'occasion de cette 45e édition, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un homme, ou plutôt un maître du 7e art, car dans cet environnement, son palmarès est éloquent. 40 films, je crois, télévision. En comptant la télé, oui. Voilà. 60 pièces de théâtre en tant qu'acteur. Il est auteur, il est compositeur, il a créé sa première école à la sortie du conservatoire d'art dramatique supérieur. Donc c'était, je crois, le Théâtre des Lumières. Le Théâtre du Miroir. Il prête sa voix. Vous dites que vous sculptez votre voix pour l'auteur. Je trouve ça sublime comme approche. Un peu comme Socrate avec la maïotique. Mon Dieu. Donc, je ne vais plus pouvoir vous répondre si vous continuez comme ça. Bonjour, Daniel Mesguich. Bonjour. Et j'ai envie de dire... Sensei Mesguich, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, ça veut dire maître en japonais. Et comme vous êtes un peu habillé en asiatique, oui. Ça le fait. C'est parce que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est la Chine, ce n'est pas le Japon. C'est la Chine. Bien, alors cette émission va se dérouler en trois parties. Homme, projet, structure. Alors oui, vous êtes un homme du 7e art, mais c'est évidemment également une entreprise. Et j'aimerais savoir, pour commencer, quelles sont les personnes qui œuvrent autour de vous au quotidien pour que cette organisation fonctionne ? Alors, il y a deux sortes de réponses. Il y a une première réponse qui est mes proches, mes enfants, mon ex-épouse qui a énormément travaillé avec moi pendant des années, qui m'a aidé vraiment presque toute ma vie, enfin. Mais ma nouvelle épouse aussi m'aide beaucoup. Voilà, donc ça, ce sont les proches. C'est peut-être banal de répondre ça, mais c'est une réalité et c'est sans doute les personnes les plus importantes, évidemment, non seulement affectivement, mais aussi professionnellement pour moi. Et puis, alors, il y a des gens qui travaillent autour de moi, qui sont des acteurs. Parfois, ça se recoupe, d'ailleurs, puisque vous avez vu la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, que j'ai mis en scène. Je reviendrai. Voilà. Et là, ma famille est en scène, est sur scène. Ouais. Il y a deux de mes filles et mon épouse qui joue dans le spectacle. Le mot est lâché, si vous me permettez, la scène. Comment est-ce que vous arrivez à la scène? Vous savez que c'est une chaîne de la diversité. J'ai cru comprendre que vous aviez un parcours aussi un peu atypique. Est-ce qu'on aimerait bien entendre cela, s'il vous plaît? Vous savez, moi je suis venu au théâtre par hasard. En réalité, j'étais lycéen à Marseille et je voulais faire quelque chose en dehors du lycée. Je ne savais pas trop quoi. Alors le sport, c'était pas trop ma tasse de thé, même si j'aimais bien courir avec mes camarades autour d'un ballon, mais malgré tout, c'était pas ma tasse de thé. Je voulais m'inscrire aux Beaux-Arts, mais les inscriptions étaient closes quand j'ai voulu m'inscrire. Alors, je suis allé au conservatoire à l'époque, ça s'appelait comme ça, de musique et de déclamation, pour m'inscrire en guitare, parce que j'aimais beaucoup Bob Dylan, Brassens, enfin, des chanteurs qui avaient une guitare. Et le planton, l'huissier, me répond, jeune homme, non seulement il n'y a pas de classe de guitare, il y a des classes de beaucoup d'instruments, mais pas la guitare, mais d'autre part, on ne s'inscrit pas comme ça, il faut passer un concours, il faut savoir le solfège, vous êtes choisi ou pas, enfin, etc. Alors là, je ne me suis pas mis en colère, mais presque, enfin, j'ai dit, bon, enfin, écoutez, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait rien faire, qu'on veut juste apprendre? Il m'a dit, ah, quand on ne sait rien faire, théâtre. Et je me suis donc inscrit en théâtre. D'accord. Et il se trouve que là, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui s'appelle Irène Lamberton, qui est toujours vivante. Elle est très âgée maintenant, mais elle est toujours vivante, qui était professeure là-bas, et qui m'a aimé, si j'ose dire, qui m'a dit, mais tu es formidable, mais tu es génial, enfin, etc., etc. Et évidemment, c'est humain, on vous dit que vous êtes bien, vous restez. Et donc, je suis resté. Mais au début, c'était donc presque par hasard, ou carrément par hasard. Même si j'aimais beaucoup faire semblant de faire des choses dans la vie quotidienne, j'étais très joueur, même si mes parents m'emmenaient au cinéma tous les soirs, parce que je suis né en Algérie. Tous les soirs en Algérie... C'est pourquoi je parlais de la diversité. Voilà, la diversité. Et tous les soirs en Algérie, ils m'emmenaient au cinéma. Nous n'avions pas la télévision, et ils m'emmenaient au cinéma. Donc j'ai vu des dizaines et des dizaines de westerns, de choses comme ça, qui passaient en doublé, enfin, hein, en version française, qui passaient à Alger. Et donc j'aimais bien ça, mais enfin pas au point d'en faire ma vie. Mais il se trouve que cette dame donc m'a aidé d'abord, et puis un jour m'a dit, Daniel, c'est horrible à dire, mais je préférerais que tu me quittes et que tu ailles au conservatoire de Paris, parce que c'est mieux pour toi. D'accord. Et je l'ai écouté. Alors mes parents ne voulaient pas que j'aille à Paris, j'avais 16 ans. Ils m'ont dit, sans le bac, tu ne t'en vas pas. Alors j'ai passé le bac en candidat libre, en première. Je travaillais mal, parce que j'avais été... un peu gauchiste quand j'étais jeune, je fréquentais les groupuscules, trotskistes, maoïstes, enfin, etc.
Ça m'intéressait, le bouleversement social et la révolution. Et donc, je devais être renvoyé de mon lycée, parce que j'avais participé à des bêtises comme ça dans le lycée. J'avais séquestré le censeur, enfin, des petites choses comme ça, sympathiques. Et puis, le proviseur, en fait. Et puis surtout, je ne travaillais plus. Je lisais des livres, je lisais de la poésie, et j'étais nul en maths, nul en sciences, enfin bon. Et donc, je devais redoubler ma première. Donc, non seulement j'étais viré de mon lycée, mais je devais redoubler ma première. Et... je me suis inscrit en cachette au bac, en candidat libre, et je l'ai eu avec mention. Alors, et c'est comme ça que j'ai pu aller à Paris. Que nous dit de vous ce titre donc de votre première école de théâtre, le théâtre du miroir? Je suis sûr que ça dit quelque chose de vous. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est un miroir qui n'est pas mécanique, simplement. Ce miroir-là, dans mon esprit en tout cas. Vous le savez, Hamlet... dans la pièce de Shakespeare, dit « il faut tendre un miroir à la nature ». Le théâtre, sa mission, sa fonction, c'est de tendre un miroir à la réalité, à ce qui est naturel. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je ne suis pas tout à fait... J'adore Shakespeare, j'ai une vénération pour Shakespeare, mais en l'occurrence, je pense que Hamlet se trompe. Ou en tout cas, c'est insuffisant. Oui, bien sûr, la nature, mais pas n'importe quelle nature, pas la nature extérieure qu'on rencontre. Sinon, on ferait un théâtre sociologique, un théâtre qui serait le mime de quelque chose qui existe déjà, ce qui me paraît vain. Mais un miroir a une nature cachée, a une nature profonde, a une nature qu'on ne voit pas tous les jours. Qu'est-ce qu'un personnage? Un personnage, ce n'est pas quelqu'un d'autre que nous, que vous ou que moi. Un personnage, c'est quelque chose qui est en moi ou en vous, ou en quiconque, en tel ou tel spectateur de cette émission aujourd'hui. Et il y a en lui, en moi, en vous, il y a Hamlet, il y a Médée, il y a Agrippine, il y a Faust, enfin, tous les grands personnages sont en nous. Mais simplement, dans la vie quotidienne, dans la vie trépidante que nous menons chaque jour, nous ne pouvons pas les voir. Nous les perdons de vue. C'est pourquoi vous les sculptez, comme je disais tout à l'heure. Alors voilà. Alors je pense que le théâtre, ça consiste à éteindre la lumière sur nous, pour qu'on s'oublie un peu, qu'on oublie le surmoi en tout cas, à allumer sur une part de nous qu'on ne voit jamais, et qui s'appelle Médée, Agrippine, Hamlet ou Faust. Et tout d'un coup, nous voyons cette part de nous, ce versant de nous que nous ne connaissons pas de nous. Je crois que c'est ça, le miroir. Autrement dit, c'est un miroir, mais ce n'est pas un miroir simplement mécanique des formes extérieures. C'est un miroir de ce qui est le plus enfoui, le plus caché, le plus presque interdit en nous. Est-ce que le théâtre... et le cinéma sont des mondes communs? Est-ce que c'est une même famille? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a des transfuges, parce que des gens qui font du cinéma font parfois du théâtre. En général, ça ne marche pas très bien. Et les gens qui font du théâtre font du cinéma. Ça marche un peu mieux, mais pas tant que ça non plus. Mais il y a quand même des gens qui font les deux. Mais les choses sont très différentes. Pour le dire très très vite, enfin le plus vite que je peux, mais les différences sont très lourdes et longues, et il faudrait les développer beaucoup. Au cinéma... si vous voyez une chaise, par exemple, c'est une vraie chaise. Je veux dire par là qu'on a filmé cette chaise, mais elle a existé avant le film, avant la pellicule ou avant même la numérisation. Mais il a bien fallu qu'il y ait une chaise pour qu'après vous voyiez une chaise à l'écran. Donc cette chaise est là. Elle a lieu, en quelque sorte. Et tout est comme ça, hein, au cinéma. Il faut bien que les choses aient d'abord existé, puis qu'on les voit au cinéma. Même sur un plateau de tournage, même si je me roule par terre en pleurant, en hurlant, ça n'est pas la réalité. Mais j'ai fait ça, puisque maintenant ça se voit sur l'image. Au théâtre, cette chaise n'existe pas. Elle est là pour remplacer, alors quoi? Le désir de chaise, le manque de chaise, l'absence de chaise. C'est contre-intuitif. C'est comme un symbole de chaise, mais ce n'est pas une chaise. Ce n'est pas une vraie chaise. C'est contre-intuitif ce que vous nous dites là. On a plutôt tendance à penser que la chaise existe dans le théâtre et pas au cinéma. Eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'au cinéma, il n'y a que deux dimensions. C'est de la lumière sur un mur, le cinéma. Alors qu'au contraire, au théâtre, il y a trois dimensions, c'est vrai, enfin, voilà. Mais ce vrai n'est pas vrai. Ce vrai n'arrête pas de renvoyer à quelque chose d'autre que lui. Alors que le cinéma, non, le cinéma, ça a eu lieu et on vous le montre. Je vais rattraper un mot que vous venez d'indiquer, dimension. Dans le théâtre, il y a des dimensions, il y a des grands théâtres, des belles pièces, et des petits théâtres avec des petits moyens. Est-ce que vous pensez que les petites rivières peuvent faire les grands fleuves? Est-ce que vous, de temps en temps, vous allez voir des petits théâtres? Nous sommes allés voir avec notre équipe dernièrement la roulotte espagnole. Et donc, on s'aperçoit que dans ces petits théâtres, les comédiens et les auteurs donnent beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes
une abnégation folle, ils ne gagnent rien. Et voilà. Et qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Mais je vais beaucoup dans ces petits théâtres. Oui, j'y participe moi-même, d'ailleurs. Très souvent, je joue dans des petits théâtres. Les gens pensent toujours, enfin les gens qui me connaissent, pensent toujours que j'ai dirigé, et c'est vrai, le Théâtre National de Lille, le Centre Dramatique National de Saint-Denis, le Conservatoire National, enfin, que j'ai joué à l'Odéon, à la Comédie Française, enfin, donc dans des grosses structures officielles, subventionnées, enfin, etc. Mais j'ai été plus souvent jeune compagnie, comme on dit, malgré mon âge, jeune compagnie, donc petit théâtre sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de moyens, et qui doit faire sa pub tout seul, enfin avec trois projecteurs et quatre circuits électriques. Voilà. J'ai plus souvent fait ça dans ma vie que les grandes choses. Je suis à l'aise dans les deux cas. Dimension toujours ? C'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, je peux très bien être dans un très grand hôtel, un 5 étoiles, et j'adore ça, le luxe, c'est très agréable. Mais je peux aussi dormir dans un boui-boui et manger un sandwich. Ça me plaît bien aussi. Vous voyez, je suis assez souple de ce Donc je reviens à mon terme qui va m'aider là, dimension toujours, Napoléon. Vous avez incarné Napoléon. Je vous ai adoré dans Napoléon. Merci. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Est-ce que vous avez aimé ce rôle Moi, j'ai adoré ce rôle. J'ai adoré jouer Napoléon. Mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. Alors. Je crois que j'ai adoré jouer ce rôle précisément parce que je n'avais jamais l'impression que j'incarnais, comme on dit, mais incarner est un faux mot, hein. C'est plutôt jouer, c'est plutôt s'amuser avec, que incarner ça voudrait dire rentrer dans la chair, dans la peau du personnage, quelle horreur, non, je n'entre dans la peau de personne, je suis moi, c'est tout, voilà, simplement, je joue avec ça, je joue avec ces images, avec des signes qu'on lance, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça, pour la bonne raison qu'il me semblait que je déjouais sans arrêt les attentes. On attend à ce qu'il mette la main sur son estomac, comme ça, parce qu'il souffre, hein, l'image de Napoléon, je ne l'ai jamais fait. Alors j'ai joué un regard de braise, un truc, voilà, sans doux, doute. Oudou, bien sûr. Et j'aimais beaucoup ça, mais je n'ai jamais eu l'impression de jouer un personnage historique. J'avais l'impression de l'inventer. Et après tout, quand je jouais Napoléon, j'avais un scénario, des dialogues que Napoléon n'avait jamais prononcés. Ces mots, il ne les avait jamais prononcés. Il y avait des projecteurs, il y avait une caméra, mais il n'y avait pas de projecteur et pas de caméra chez Napoléon. Enfin, donc au fond, c'est bien une œuvre d'imagination, même si elle fait des clins d'œil sans arrêt à une réalité passée. Historique. Mais malgré tout, ça n'est pas Napoléon. Vous voyez. Et donc, je m'amusais beaucoup à ne pas jouer Napoléon et à donner l'impression que c'était vraiment Napoléon. Mais ça, vous avez aimé ce rôle ? J'ai adoré ça, pour la raison que je viens de vous dire. Mais aussi, sans doute, parce qu'il y a des rôles... Bon, d'abord, c'était lourd. Enfin, c'était 6 mois de tournage, presque tous les jours. C'était 5 fois 1h30. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes. Donc vous imaginez la star que j'étais dans la rue. Tout le monde avait vu ce feuilleton, enfin cette série. Et donc je signais des autographes tous les 10 mètres, enfin en marchant dans la rue. C'est plus le cas maintenant. mais d'ailleurs plus personne ne peut faire ça, enfin vraiment, à part Mick Jagger ou je ne sais qui, c'est-à-dire des stars déjà très âgées. Mais autrement, on ne fait plus ça. Enfin, c'est presque impossible aujourd'hui. Et je suis certain que vous allez nous régaler avec cette question. On imagine, avec la voix que vous savez poser si parfaitement, que comme un tennisman, comme un footballeur, comme un judoka, comme un pianiste, vous faites vos gammes pour poser cette voix. Comment vous faites pour poser cette voix si Alors, parfaitement je vais vous, vous parliez tout à l'heure de la mort d'Agrippine. Avant chaque pièce, chaque acte, pardon, tableau, on entend votre voix. Mais c'est prodigieux. Ben écoutez, je vous remercie de le dire. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vous déçois sans doute, mais je ne fais aucune gamme. Au contraire, je suis malheureusement un peu fumeur encore. Voilà, donc c'est pas du tout. Je ne travaille pas ma voix. Vous ne travaillez pas votre voix. Donc c'est une chance que la voix soit sans doute. C'est inné. Les téléspectateurs qui nous regardent se disent qu'ils n'arriveront jamais à poser leur voix comme. Non, il ne faut pas dire ça. Ça se travaille, la voix. tout se travaille. Tout se travaille. Moi, il se trouve que je ne travaille pas, mais tout se travaille. Non, mais vous savez. Parfois, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que la voix en soi n'est pas la chose que les gens apprécient, si tant est qu'ils apprécient. Mais enfin bon, vous le dites et vous n'êtes pas le seul à le dire, donc je ne veux pas faire le faux modeste et dire non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Oui, je sais que souvent les gens me disent ça. Et pourtant, je suis sûr que si je faisais simplement « Ah !» on dirait pas « Oh, quelle voix sublime !» C'est-à-dire que on mélange avec le concept de voix, avec la notion de voix plutôt, on mélange... La diction, le regard, le choix des mots, les inflexions, enfin mille choses qui ne sont pas la voix, mais qui se mêlent à la voix quand on parle. Et les gens disent « Oh, quelle belle voix vous avez !» Mais ce n'est pas que de la voix qu'ils parlent. Ils parlent d'un tout. Quand on nous dit qu'au théâtre,
quand on est timide, qu'on a des difficultés, on peut progresser, faire progresser, faire travailler les organes qui vont produire cette voix. C'est faux ? Non, ça n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas tout à fait faux parce que... Alors, quand c'est que technique, c'est, je crois que c'est faux. Bien sûr, si on fait 15 000 fois quelque chose, on finit par maîtriser un peu la chose. Donc, c'est pas débile, mais c'est pas vraiment vrai. Quand c'est que technique. Parce que quand c'est que technique, ça sous-entend que nous avons un but qui existe et nous essayons de l'atteindre. Alors que quand on joue quelque chose, on ne sait pas où on va. On défriche des territoires qu'on ne connaît pas. Voilà, et c'est là qu'on progresse. Et paradoxalement, quelqu'un qui ne sait pas tomber, par exemple, s'il joue dans une pièce de théâtre, qu'il doit tomber, il va faire des progrès en chute, 1000 fois plus fort que s'il s'entraîne à tomber 15 fois de suite pour voir comment on tombe, etc. etc. Vous voyez ? Autrement dit, il faut être un artiste et non pas un technicien, même quand la technique finit par s'instaurer. Si je dis Cyrano de Bergerac, tout le monde va penser Edmond Dantès. Eh bien non. Non, pas Edmond Dantès. Edmond Rostand. Alors oui, le problème, si vous voulez, c'est que Cyrano de Bergerac, le véritable Cyrano de Bergerac, l'homme qui a existé et qui s'appelait Cyrano de Bergerac, celui-là, il a été inconnu, d'abord parce qu'il était rebelle, parce qu'il était sulfureux, parce qu'il était athée, et qu'à l'époque, au XVIIe siècle, c'était impossible de faire une carrière comme ça. Les jésuites étaient là, les dévots étaient là, c'était impossible. Ensuite, l'éducation nationale a pris le relais, mais même la laïcité était très morale, et elle a tenu comme un satanique, cet horrible écrivain, qui pourtant est génialissime. C'est un des plus grands écrivains de la langue française, et un des plus grands philosophes, dramaturges de la langue française. Et donc, il a été un peu tenu à l'écart. D'autre part, il est mort à 35 ans, sans doute assassiné, c'est ce qu'on croit en tout cas, par les dévots justement. Mm-hmm. Et donc, il n'a pas fait une œuvre énorme. Et surtout, son nom a été tellement glorifié par Edmond Rostand, tellement qu'il est inconnu, victime de sa popularité, si j'ose dire. C'est-à-dire que tout le monde connaît le personnage Cyrano de Bergerac, mais personne ne connaît l'écrivain, le véritable Cyrano de Bergerac. Comment est née l'idée de la mort d'Agrippine ? C'est à ça que j'ai fait allusion. Alors, c'est un peu un hasard. Il y a un poète, magnifique poète d'ailleurs, grand écrivain, qui s'appelle Roubaud, qui un jour, où je déjeunais avec lui par hasard, parce qu'on faisait partie d'un prix littéraire, tous les deux, entre autres, et qui me dit « Tu devrais monter la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac ». Moi, je connaissais Cyrano de Bergerac, le vrai, parce que j'avais lu son roman « Les états et empires de la lune et du soleil », et qui est un roman magnifique, un roman d'anticipation, si j'ose dire, pour le XVIIe siècle, et un roman philosophique, un roman drôle aussi, enfin, formidable écriture, d'autre part. Je connaissais ça, mais je ne connaissais pas du tout la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac. J'ai dit « Ah oui, oui, peut-être ». Et il m'offre le livre. Il l'avait sur lui, il me l'offre. Un petit bouquin de rien du tout, comme ça. Je dis « Oh, merci !» Et je le mets chez moi, et pendant 15 ans, je ne l'ai pas ouvert. Par paresse, par je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et puis un jour, en rangeant mes livres dans mes bibliothèques, je tombe dessus, je le feuillette un peu, et je tombe sur deux vers sublimes. C'est magnifique, ça. Je tourne des pages, comme ça, et je vois encore deux vers sublimes, puis quatre vers sublimes, puis huit vers sublimes. Je dis « Mais c'est génial !» Je lis toute la pièce, je dis « Mais elle est géniale, cette pièce !» Mais bien sûr. Et c'est comme ça que je l'ai montée. Pièce sublime, technique, maîtrisée extraordinairement par les acteurs, en grande partie donc autour de vous, famille. Pourriez-nous nous en dire quelques mots ? Si vous voulez, c'est une pièce sur la mort, mais pas au sens funèbre, au sens triste du mot. Qu'est-ce que la mort et comment des histoires de vengeance, de haine, c'est-à-dire les histoires de la vie quotidienne, même si elles sont exacerbées, bien sûr, mais comment fonctionnent-elles dans le rapport avec ce qui n'est plus, c'est-à-dire la mort ? Et il y a, d'après Cyrano, me semble-t-il, deux sortes de morts. Le décès, le fait qu'on existe et puis on n'existe plus. On passe le pas. Décéder, ça veut dire passer le pas. Hein. Céder le pas, en quelque sorte. On décède, et voilà. Et puis la mort vraiment. Non pas, si on est athée comme Cyrano, non pas parce que tout d'un coup on vivrait l'enfer, on vivrait des moments horribles quand on est mort, comme le dit Hamlet, par exemple. Hein, aussi, il y a les... Si mourir, c'est dormir, et dormir, c'est rêver. Il y a des cauchemars qui nous attendent pour l'éternité dans l'enfer. C'est pas ça que dit Cyrano. Cyrano, il dit quand on est mort, il n'y a plus rien. Une heure après la mort, on est exactement comme on était une heure avant la vie. Donc il n'y a rien. On ne peut pas souffrir puisqu'il n'y a rien. On n'est rien. Ça, c'est le décès. Mais il y a d'autre part la mort, c'est-à-dire quelque chose qui, de notre vivant, nous hante, nous ronge. Et c'est comme ça qu'on meurt, vraiment. La mort, on ne peut la goûter que quand on est encore vivant.
Quand on est mort, on est décédé, il n'y a rien. Mmh. Mais quand on vit encore. Et c'est ça le thème, si j'ose dire. C'est presque une approche de juriste. Hein. Oui, c'est une approche de juriste, absolument. C'est pour déconstruire et préciser, nommer et ciseler presque la chose. C'est un sujet qui vous... Pas spécialement, j'avais cru lire ça ou entendre ça un jour. Oui, mais parce que y a rien de plus important, non? On est et puis le coup on n'est plus. Bah, ça c'est une aventure. Là il se passe quelque chose. C'est même la seule chose qui se passe au fond. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans la vie? C'est que des petites choses. Mais mm-hmm. tout d'un coup il y a qu'on n'est plus. Ah, bah, ça c'est une grande chose. Enfin, mm-hmm. voilà. Oui, mais c'est pas tellement encore une fois le thème de la mort qui m'intéresserait. C'est que les personnages dans la pièce n'arrêtent pas de dire des choses qui sont fausses, de mentir en quelque sorte, de mentir consciemment ou même peut-être inconsciemment, mais de mentir. On rappelle quand même dans un contexte d'empire où il y a du complot, il y a de la trahison. Voilà, ça c'est le prétexte, si vous voulez. Ouais. On est obligé au XVIIe siècle de prendre un sujet dans l'Antiquité et puis de le décliner. C'est ce qu'a fait Racine, c'est ce qu'a fait Corneille, c'est ce que fait Cyrano de Bergerac. Mais à l'intérieur de ce sujet maintenant, il se passe d'autres choses. Et là, tous les personnages donc mentent. C'est-à-dire que vous voyez la première scène et vous êtes obligé de croire un peu à ce qui se passe, puisque vous voulez suivre l'action, l'intrigue. Mais dès la deuxième scène, on vous annonce que ce n'est pas vrai. Cette personne mentait. Elle n'était pas amoureuse, elle voulait le tuer. Ah bon, d'accord. Donc vous vous réajustez et vous suivez la deuxième scène. Mais on vous apprend dans la troisième scène que la deuxième scène mentait aussi. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous êtes en droit de vous dire « Mais qu'est-ce que je regarde depuis tout à l'heure ?» Puisque rien n'est vrai. Et ce rien n'est vrai, c'est le théâtre. D'accord. Autrement dit, c'est une énorme métaphore de son support. Cette intrigue est une énorme métaphore de ce qui la supporte, ce qui la soutient, qui est l'art du théâtre. Et quand une intrigue, qui est censée être le contenu de quelque chose de plus grand qu'elle, d'un contenant qui s'appelle théâtre, quand cette intrigue, ce contenu, reprend le contenant et le contient, alors on est dans un vertige. Et c'est ça qui est, pour moi, la merveille de cette pièce. Merci infiniment pour cette explication. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour conclure cet entretien, vous tournez vers cette caméra et nous indiquez quelles sont les valeurs qui vous portent, s'il vous plaît. Mon Dieu, il y a plusieurs valeurs qui me portent, je pense. Il y en a une qui est la transmission. Je pense qu'on ne doit rien garder pour soi. Après tout, on a eu la chance de recevoir. Alors, il faut savoir aussi donner, rendre en quelque sorte. Même pas donner, mais rendre. Rendre ce qu'on a reçu. Je sais que moi, je fais du théâtre, je fais du cinéma, enfin, j'ai fait beaucoup de cinéma, je fais du théâtre, beaucoup, maintenant, mais j'enseigne aussi, je suis professeur. Et pour moi, c'est la même chose. Au fond, transmettre à un public ou transmettre à de jeunes acteurs qui vont à leur tour transmettre à un public, c'est un peu la même chose. Donc, premièrement, la transmission. Ensuite, je crois qu'il y a une autre valeur qui compte énormément pour moi, c'est le sens des choses et la précision. Je pense que la vulgarité, la grossièreté, l'à peu près, est un crime. Je pense que la plupart des méfaits dans le monde, des choses douloureuses, je ne parle pas de la mort d'un proche ou des choses qui arrivent par fatalité, mais la plupart des problèmes que nous avons dans le monde viennent de la grossièreté de notre pensée. Nous n'allons pas assez loin, nous ne piquons pas. Au lieu de montrer quelque chose avec la pointe d'un scalpel ou la pointe d'un compas, plutôt pour dire exactement la chose qu'on veut dire, pour nommer le plus précisément possible, on montre avec un gros doigt comme ça, grosso modo. Et le grosso modo est la source de bien des problèmes et bien des haines. Enfin, il me semble que l'inconnu est magnifique, que ce qui n'existe pas encore est magnifique, ce qui est à venir est magnifique. Je crois que si je fais du théâtre, c'est bien sûr pour les gens vivants, contemporains, pour ceux qui sont là en même temps que moi, sur la Terre. Mais ça, c'est relatif. Mais c'est aussi absolument que je fais du théâtre. Comme si j'imaginais des gens à venir, des gens qui ne sont pas encore nés peut-être, et que c'était à eux que ça s'adressait. Mesgil Sensei, permettez-moi. Merci. Merci à vous.